Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance consacrée à la communication administrative. La communication administrative, pour secrétaire, cadre et responsable de l'administration. On va d'abord définir cette communication administrative et ensuite on va parler de ses responsables, de ses cadres, de ses secrétaires, qui représente le capital humain de l'administration. Donc, trois composantes, comme j'ai dit, la communication, l'administration, le capital humain. Donc, chaque composante, on va un peu expliquer, on va définir comment on va poursuivre ces sciences de communication administrative, c'est quoi la communication, c'est quoi l'administration et c'est quoi le capital humain ou bien c'est quoi le but de ce coaching en communication administrative, de ces leçons, de ces informations, on va parler des points, de différents points concernant cette communication qui est le sujet actuel suite à cette pandémie COVID-19 qui a touché le monde entier. Donc, les modes de communication administrative ont été bouleversés, ont changé et désormais, c'est la technologie qui prend la relève. Donc, il faut bien se préparer à cette nouvelle communication administrative notamment les employés, les fonctionnaires de l'administration publique, les employés de l'administration privée. Donc, vous êtes tous concernés par cette nouvelle vague de communication, ces nouveaux outils, notamment les plateformes des administrations, des entreprises, tout ce qui est les réseaux sociaux, actuellement sur Internet, tout ce qui est dématérialisation, c'est-à-dire le fait de délivrer des produits administratifs, notamment des certificats, des attestations signées électroniquement et envoyées aux clients, entre parenthèses, ce format électronique, donc tout ce qui concerne la dématérialisation. Donc, c'est très important d'avoir un peu quelques idées concernant ce changement bouleversant causé par le COVID-19 dans tous les pays. Ce n'est pas seulement les pays développés, les États-Unis, l'Europe, le Japon, etc., qui sont concernés parce qu'ils sont développés, ils ont la technologie, ils ont l'arsenal juridique, ils ont des personnels bien formés pour ces changements technologiques, mais tous les pays, notamment les pays en voie de développement, sont concernés par cette technologie, par ce nouveau mode de communication au sein de l'administration et le capital humain, les ressources humaines sont obligés d'appliquer les nouvelles directives, les nouveaux procédés de communication dicté par leur employeur, à savoir l'administration publique ou bien l'entreprise. Passons tout de suite à la composante communication pour un peu cerner ce concept. Si je dis communication administrative, si je dis communication, c'est-à-dire... Je parle de quoi ? Je vais parler de quoi ? Je vais parler tout simplement du fait d'envoyer ou de recevoir des messages. Donc, l'administration envoie et reçoit des messages. Les fonctionnaires, les employés de l'administration privée envoient et reçoivent des messages, quels que soient ces messages. Donc, voilà un peu la communication. C'est le transport des messages. Et c'est quoi ce message ? C'est quoi ce message dans l'objet de la communication ? C'est le transport de ce message, c'est-à-dire
le fait de le déplacer d'un point A, l'émetteur à un point B, le récepteur, et il y a après le feedback ou bien le retour en action. Le message, tout simplement, est composé de deux composantes. Il est composé de l'information et il est composé du support de cette information. Je vais vous donner des exemples pour un peu comprendre cette composante communication, pour comprendre c'est quoi le message, c'est quoi l'information et c'est quoi le support. Exemple de communication. Le fait d'envoyer une demande de devis à un fournisseur est une communication, c'est-à-dire lorsque vous envoyez une demande de devis à un fournisseur, vous communiquez. Lorsque vous recevez un email de confirmation d'une réunion, par exemple la date d'une réunion sera par exemple demain 9 juillet 2021. Donc, c'est aussi une communication. Vous communiquez parce que vous avez reçu cet email. Le fait d'écouter l'animateur qui parle lors d'une réunion de travail est une communication. Donc, vous communiquez. Donc, voilà un peu, etc., etc. Les exemples sont multiples. Voilà ce dont je vais parler lors de ces séances de coaching en communication administrative. Donc voilà un peu la communication, c'est le transport des messages et le message contient de l'information et un support de cette information. On va détailler un peu le premier exemple qui est le fait d'envoyer une demande de devis à un fournisseur. L'information se situe où dans cette communication? L'information, c'est le contenu de ce message qui est, par exemple, je demande le devis concernant, je ne sais pas, l'achat de mobilier de bureau ou bien l'achat d'une photocopieuse, l'achat d'un micro-ordinateur, etc., etc. Donc, voilà un peu l'information qui est dans ce message, pardon. Donc, je veux savoir les prix, vos prix, s'il vous plaît, monsieur le fournisseur. Je veux savoir vos prix du matériel ou bien du mobilier suivant, le micro-ordinateur, le bureau, la chaise, visiteur, le fauteuil tournant et roulant, la table basse, le porte-manteau, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, je veux des prix. Donc, voilà un peu le contenu, c'est-à-dire l'information qu'il y a dans cette demande de devis. Cette information ne change pas, quel que soit le support des messages. Donc, même si on change le support, qu'on va expliquer tout de suite, cette information reste stable, c'est-à-dire je veux bien savoir le prix de vos articles. Que je demande par exemple les fauteuils, etc., etc. Maintenant, le support. Le support peut être du papier blanc A4. Donc, j'imprime ma demande de devis sur un papier A4, je la signe, je mets un cachet, le cachet de l'administration ou de l'entreprise, et je l'envoie par poste, par exemple, à un fournisseur. Donc, voilà un peu le support, c'est le papier. Le support peut être aussi un email, j'ouvre. Ma boîte de messagerie électronique, j'écris l'adresse email du fournisseur, objet, je mets demande de devis, le sujet ou bien le contenu de l'email, j'écris bonjour, prière de bien vouloir nous faire parvenir un devis estimatif concernant les articles suivants et je cite. Les articles et à la fin, je mets une formule de politesse. Le support peut être aussi, nous avons parlé des papiers, de l'email, il peut être un SMS, c'est-à-dire short message service. Je prends mon téléphone, je compose le numéro du téléphone du fournisseur, j'écris ma demande sous forme de message SMS.
et je l'envoie par réseau téléphonique. Avant, l'email, c'était le réseau informatique, c'est l'Internet. Maintenant, c'est le réseau téléphonique. Aussi, le support de ce message, c'est-à-dire la demande de devis, peut être sous forme électronique, comme par exemple un fichier PDF signé que je signe électroniquement et que j'envoie au fournisseur via, par exemple, le réseau social, par exemple WhatsApp ou bien Facebook ou bien un autre réseau social. Donc, je l'envoie à mon fournisseur et le fichier est bien signé et il est officiel. Donc, la demande, il est officiel, etc., etc. Donc, le support du message peut être soit physique, c'est-à-dire on peut le toucher comme le papier E4, A4, pardon, signé, soit électronique comme l'email, comme le SMS, comme le fichier PDF, etc., etc. Donc, le support change, mais l'information, c'est-à-dire le contenu du message, ne change pas et reste stable. Nous avons un peu expliqué la composante communication. Maintenant, passons à la composante administration. J'écris en haut Salah Coach en communication administrative. J'ai expliqué la communication, c'est-à-dire une définition opérationnelle. J'entends quoi par cette communication? Maintenant, je vais expliquer administrative. J'entends quoi par l'administration? L'administration peut être soit publique, soit privée. Si le public, je la définis comme étant un outil d'exécution des missions de l'administration qui est soit l'État, soit les collectivités locales, soit les établissements publics. Donc, l'administration est un outil. C'est un outil pour exécuter les tâches, les missions de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. Donc voilà pour l'administration publique. Pour l'entreprise, je dirais que cette administration est une fonction. C'est une fonction, c'est-à-dire la fonction administrative au sein de l'entreprise. Il y a bien un local où c'est écrit administration, où il y a des bureaux, des secrétaires, des techniciens, des cadres, des responsables, des gérants, des directeurs, etc., etc. Donc, là aussi, il s'agit d'une administration comme l'administration publique, mais pour l'entreprise, c'est une fonction et ce n'est pas une mission. C'est comme la fonction de production, c'est comme la fonction marketing, c'est comme la fonction logistique, c'est comme la fonction achat, etc., etc. Donc, voilà ce que je signifie par administrative, communication administrative. J'ai expliqué la communication maintenant. J'ai expliqué l'administration, c'est soit public, soit privé. Si c'est public, c'est l'outil d'exécution des missions de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. Si c'est privé, c'est une fonction parmi les fonctions de l'entreprise. Enfin, qu'est-ce que je signifie par la composante capital humain, c'est-à-dire les secrétaires, les cadres, les responsables administratifs, les agents d'exécution, toutes ces ressources humaines que j'ai citées dans le titre de cette séance. Donc voilà, les secrétaires, les agents d'exécution, les cadres, les responsables administratifs constituent le capital humain de l'administration ou bien les ressources humaines. Maintenant, on dit capital humain, avant c'est les ressources humaines et avant les ressources humaines, on dit le personnel. Il n'y a pas de travail administratif sans capital humain. C'est clair et c'est évident. Pas d'administration sans personnel, que ce soit administration publique ou administration privée. Aussi, le capital humain, notamment le responsable, représente l'administration. L'administration est un outil d'exécution qui représente l'administration. Il faut bien des femmes et des hommes. Donc, c'est ce que je signifie, c'est ce que je veux dire par composante capital humain, notamment les secrétaires,
les agents d'exécution, les cadres, les responsables administratifs. Donc, au cours de ces séances qui vont venir, je vais parler de communication administrative. Et c'est pour, c'est-à-dire au bénéfice des secrétaires, des techniciens, des agents d'exécution, des cadres, des responsables administratifs, que ce soit dans l'administration publique ou dans les entreprises ou bien au sein des entreprises. Donc, c'est ce que je veux faire dans mes prochaines séances, parler de cette communication, comment bien communiquer, c'est quoi cette communication, ses formes, comment ça évolue, quel est l'impact de la pandémie COVID-19 sur la communication administrative. Donc, il y aurait beaucoup de sujets et beaucoup de travaux pratiques aussi. Comment, par exemple, faire des messages, entre parenthèses, administratifs, c'est-à-dire des supports, notamment la lettre administrative, la note, le bordereau d'envoi, le rapport, le style des emails, par exemple, la messagerie électronique, les portails, les sites internet, les réseaux sociaux, etc. etc. Je ne veux pas être long. Je vous remercie infiniment de votre attention et à bientôt dans une prochaine séance concernant la communication administrative pour le capital humain de l'administration publique et de l'entreprise. Je vous souhaite une excellente journée.